aujourd'hui, on présente une exposition prêtée par la BDP de Saint-Médard-en-Jalles, avec laquelle nous travaillons tout au long de l'année. Cette exposition, c'est sur le thème du polar. Ça s'appelle « Qui a tué le mort ?». Et donc c'est un principe de panneau avec des tablettes interactives pour résoudre l'énigme, pour trouver qui est le coupable de ce meurtre. Bah, c'est la première fois que je fais un jeu comme ça et je trouve ça plutôt bien. Donc en même temps, il faut chercher plein d'indices, il faut chercher plein de choses. Et donc c'est assez compliqué, mais en même temps c'est facile. C'est bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est il y a trois fins possibles. Donc il y a trois potentiels suspects. Oui, mais la fin, il y en a quatre quand même. Ah. Bah, la bibliothèque de Pugnac est une charmante petite bibliothèque qui mérite à être connue. Nous avons beaucoup de références en termes de livres, beaucoup d'ouvrages jeunesse. Donc voilà, elle se situe pas dans le cœur de Pugnac malheureusement, mais un peu excentrée à côté de l'église. Donc toute la semaine nous recevons toutes les classes et les écoles de l'école de Pugnac, pardon, et puis quelques habitués qui sont inscrits dans notre charmante bibliothèque. Et surtout cette année, là, 2015, il y a eu beaucoup de nouvelles inscriptions, beaucoup de nouveaux arrivants sur Pugnac, donc beaucoup de familles qui sont inscrites, avec notamment beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est toujours bien et bénéfique pour une bibliothèque, parce que c'est eux les futurs lecteurs. Donc voilà.